On est à Laguerche sur le bois, au bord du canal de Berry. Donc on est à un enduro organisé par Couvage Car Club. Et on est au poste numéro 3 avec Sohan. Voilà. Et son papa. Et donc pour le moment on n'a rien fait du tout. On est arrivé ce matin. Mais franchement, bon, on y croit, ça va. En fait, on n'est pas les seuls à n'avoir rien fait pour le moment. Donc on garde espoir. On a eu une belle journée. Mmh. Un beau week-end qui s'annonce. Par contre, on sent l'automne quand même. Et ça a tiré, mais ça, on l'a loupé. Ah oui, tout à l'heure, on a eu un départ. Et puis, dans les branches, on s'est coincé. Et le poisson s'est décroché. T'avais pas besoin dommage. De le dire. Hein. Dommage. On verra. On verra ce qu'on prend. J'espère que la nuit va être agitée. Parce que là, j'ai pas envie de dormir. Merci. Et donc voilà. Toi aussi? Moi aussi, j'ai envie de dormir. Ouais, je vais essayer de le réveiller, mais. J'essaie de te réveiller quand même. Je vais me forcer. Ouais, je vais te forcer sinon. C'est bon. Ok. Il est minuit. J'ai pas l'appareil qu'il faut, mais il y a une lune. Allez. Trop belle. On la voit de près, très près, 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 près. Alors, ouais, mais en vidéo, vous la voyez de loin. Alors, je vous laisse juste imaginer. En fait, elle est rousse. Et on voit la grande cheminée de la Tuilerie à côté. En fait, de ses yeux, c'est magnifique, mais je pense qu'on se rend pas très bien compte en vidéo. T'as l'épuisette? Mais on va pas en avoir besoin là. Je sais pas. Et... Oh, ça a pas l'air gros. On y est presque. Allez. Tu m'attends là-bas? Ouais, il va venir derrière moi, mets-toi derrière moi. Bon, je sais pas ce que c'est. Allez, t'es en forme depuis hier.
Hein, la limite est bonne. Hein. Hop, marche arrière. Et vu que t'es en forme, on va éviter de te perdre. Hein. Ça fait, c'est pas mal. Ça fera pas mal. Hop. Donc voilà, c'est le deuxième jour. Un enduro quand même difficile. J'ai fait un poisson seulement, donc hier soir. C'est pareil pour les autres équipes. Il y a aussi la position des cannes qui est assez difficile. Alors je vous explique. J'ai un poste de, on va dire, 150 mètres et j'ai droit à 4 cannes. Donc on est deux, équipe de deux. Là où j'ai fait mon poisson, il y a pas mal de buissons qui tombent dans l'eau. Donc j'ai envie de me concentrer sur cette zone pour les heures qui me restent. Aller à 50 mètres, donc c'est pas évident. Il y a une autre zone pareille à 50 mètres sur ma droite. Alors j'ai trouvé une technique. Donc j'ai mis deux cannes à l'eau, fil tendu dans l'eau. Et deux autres cannes, fil sur la berge. Voilà, je vous montre. Celle-ci sur la berge, les deux dans l'eau. Vous voyez, ça ferait trop sinon. À une distance de 50 mètres, là, je barre pour le poisson, ça ira pas quoi. Même si je fais couler mes lignes, ça va pas le faire du tout. C'est beaucoup trop encombré, il y a des branches partout. Bon, alors je vous montre celle-ci, ça c'est la canne de mon fils. Donc on va suivre la ligne. Donc, elle est ici sur la berge, à 50 mètres. On va y aller. Voilà, j'ai le fil dans la main. Au moins, il n'y a pas d'encombrement. Hop. Donc là je la repositionne correctement pour éviter que les gens marchent dessus, ce serait trop con. Voilà. Ici. Et donc là je suis en bordure. Donc j'ai mis un piquet. Et donc là je suis vraiment ultra discret. La ligne est protégée. Je sais ce que je fais. Et je peux même à la limite détendre mon fil. Voilà. Voilà, fil détendu. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne cette nuit.
son amour. Swan. 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 Essaye de le réveiller, mais essaye de te réveiller quand même. Je vais me forcer. Ouais, je vais te forcer sinon. Swan. 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 Dépêche-toi, lève-toi. L'épuisette, l'épuisette. T'as vu la taille? Mais toi, attends. Écoute, si on l'a, c'est gagné. Attends. Putain, la taille du truc, toi. Attends, c'est pas gagné. Mets l'épuisette à l'ouvre. Tu mets bien dedans, bien dans l'eau. Hein. Et quand si tu vois qu'il passe en dessous, tu la retires. Hein. Hey. Allez, assis-toi. Ah, non. T'as vu ce qu'il fait? Yes! Wow. Viens. Il faut voir plus. Voilà, on a sorti un amour blanc. Il est plutôt joli. On va le peser tout à l'heure. Alors voilà, un super coup d'épuisette de Sohan qui a eu du mal à se réveiller. Il est magnifique. C'est un joli garçon. Ah, tu le tiens bien au cas où. Oh, tu le tiens bien. C'est du lourd. On va laisser allumer pour l'instant. On va faire ta pesée là, Johan. Tu mets ta bête dans le... Oh, c'est beau, putain. Et là, il est heureux, Johan. Oh là là. Allez, allez, je veux qu'il fasse 10. Pas moins. Ouais, je fais pas au moins, j'ai pas plus. Voilà, donc cette nuit, sur les coups de 11h, on a fait l'amour blanc. Et on vient de se lever, on n'a rien fait d'autre. Une nuit très calme, en fait la même que la nuit dernière. D'ailleurs, l'amour blanc, on l'a fait à la même heure que la carpe la nuit d'avant. Bon, la différence là, c'est qu'il n'y a plus de vent. On n'a pas eu beaucoup cette nuit. Peut-être que ce matin, on fera un autre poisson, on espère. Ça va être une bonne journée.